Allez, salut tout le monde, c'est Don44. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Don et la faille spatio-temporelle. Wouhou! Et vous pouvez voir que j'ai vachement aménagé mon petit camp. Voilà. Et c'est plutôt chouette. Je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord vous faire une petite visite. Et puis ça, aïe, ça fait mal. Donc j'ai agrandi le champ. Alors il y a ça que je voudrais faire. Je voudrais l'automatiser un petit peu. Le truc c'est que va falloir faire ça, agrandir. Alors oui, j'ai fait une carte pour voir un petit peu où je me situais et tout. Le problème c'est que j'ai regardé vite fait. En fait, elle correspond pas à ce qu'il y a aux alentours de moi. Donc la carte, elle montre juste tout simplement où je serais situé normalement sur le monde de base, quoi, le monde normal. Le camp on va visiter. Donc là c'est le champ, la maison, elle a pas changé, hein, toujours pareil. Alors ici nous avons une petite porte. Voilà. Donc j'ai creusé à l'intérieur. Enfin j'ai pas creusé dans l'arbre parce qu'ils sont creux ceux-là. Et j'ai juste aménagé une petite échelle pour pouvoir tout simplement observer au niveau de mes remparts. Et donc on va automatiser le champ. Hop. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ouais, donc y a pas grand-chose de ce côté. On va aller voir plus de l'autre côté. Il y aura peut-être plus de choses. Faut que j'arrête de me blesser comme ça. La suite du rempart. Alors là, c'est hop, pareil, même système dans l'arbre. Hein. Je trouvais ça plus sympa, ça cachait un petit peu. On va aller se promener. Là-bas, il y a un volcan. Par contre, j'ai vu qu'il était pété le volcan, donc c'est un peu dommage. Mais au moins, on verra un petit peu ce que c'est. Hein, et puis, on va y aller en bateau. On va se faire un bateau. On va se faire une canne à pêche aussi, parce qu'on va pêcher. On va explorer les environs. Et puis, on va construire, évidemment, le champ. Hein, enfin, l'automatiser. Il me semblait qu'il y avait un truc que je voulais absolument vous montrer par ici. Oh, il y a une libellule. Je vais essayer de l'attraper. Ah, je vais me tuer. En plus, je sais pas si. Je crois qu'elle est vivante en fait. Elle doit être juste posée. Bon, tant pis. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah si, je me suis fait ça. Ça, c'est mon entrée. Voilà. L'entrée de mon petit camp. En plus, ça dénature pas avec le reste de la forêt, donc c'est plutôt cool. Hop. Donc ce que je propose, ça serait d'aller récupérer de l'eau. Je sais pas si j'ai des seaux sur moi. Si. J'ai de l'eau. Il va falloir faire des pistons. Ah, j'ai une pelle déjà. Je vais creuser. Parce que l'idée en fait, ça serait que là, en fait, je vais virer l'escalier. Je vais un peu virer tout ça. L'idée, ça serait que ici, il y a les pistons. Ça faut que je vire. Ça va me gêner ça. Voilà. Donc les pistons, je vais les mettre ici. Derrière, il faudrait que je mette des répéteurs. Ça serait bien. Et alors je sais pas comment je vais cacher le système. Ah! Je sais pas où est-ce que je vais mettre le système. Je pensais le mettre dans. Ça pourrait être pas mal dans l'espèce de petite cabane. Alors soit je place un levier ici, ça peut être sympa aussi. Ou alors je le mets là en fait, comme si c'était une petite cabane de jardinier. Voilà, je sais pas trop. Pour l'heure, il me faut des pistons. Est-ce que j'ai du fer? On va aller voir ça là-haut. Je ne sais pas si j'ai du fer. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai. Je crois que j'ai pas de four. Oh, une libellule. Elle est buggée dans. Elle est buggée dans mon sol! Ah, je peux rien faire. Bon. Du coup, du fer. Ouais, j'en ai. Je vais pas en avoir assez. Ah bah je vais me faire un four.
contre, je sais pas où est-ce que je vais le placer. C'est ça le truc. Ouais, je vais même en faire deux, tout compte fait. Je crois que je vais les mettre dehors, au pire je les bougerai. Le fer, je l'ai pris avec moi, c'est nickel. Où est-ce que je vais mettre ça? Bon, à la limite, on s'en fout, on peut le mettre... Bon, on va les mettre là, tiens. C'est moche, mais ça sera pas leur place finale. Alors, je sais pas si je devrais virer là, toutes ces petites herbes, là, si c'est sympa ou si ça fait moche, faudra me dire. Par commentaire, vous me direz s'il faut que je les retire ou pas. On va faire chauffer ça pendant ce temps-là. Je crois que j'avais préparé déjà quelques petits trucs. J'ai un piston, ça je vais avoir besoin. De la dirt, ça va être bon. Les seaux, c'est ok. Ah mince, la redstone. Il m'en faut. Oh, c'est dur. Je croyais que j'avais de la redstone. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma redstone? J'étais persuadé d'avoir de la redstone. Oh non, si j'en ai pas, je suis foutu. Ah, cool. Bon, allez, des pistons. Allez, allez, descends. Alors. Pardon. Alors j'espère que j'ai assez de bois. Comment ça se crafte déjà? Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou si c'est l'inverse. On va le savoir tout de suite. C'est peut-être ça. Mince. Ah! C'est pas ça. Alors c'est l'inverse. Alors du coup ça. Oh, je sais plus, j'ai un trou. C'est pas ça. C'est pas ça. Et je ne sais plus. Il me semblait que c'était la pierre pourtant en bas. Ah, je trouve pas. Ah mais du coup, alors attends. Il me semble que c'est le bois peut-être qui est en Bon, et nous revoilà devant ce magnifique craft que je ne me souvenais plus, hein, tout simplement. Du coup, je suis complètement naze, hein, au final. Donc, il n'y a aucun souci avec le bois, c'est moi qui ai complètement inversé, en fait, déjà la redstone avec le fer, il me semble. On va en faire trois autres, ça c'est bon. Mince, bon bah, comme ça. Tac. Ah, j'ai même pas compté combien il m'en fallait. Bon, tant pis. Ça, là, voilà. Toc. Alors. Ce qu'on peut faire, ce serait déjà de les placer. Quand même pas mal. Ah ouais. Bon, de toute façon, il y a les trucs. Hop, le reste est en train de cuire. Ça, c'est de l'hasard en fait. Ça va me bouffer énormément de place, mais tant pis, je creuse plus. Au moins, je serai tranquille après. Ouais, ça va me bouffer de la place et j'ai fait un trou. J'aurais pas dû. Remarquez que la dirt c'est pas la même. Il y a deux dirt, je sais plus. Je crois que j'en avais parlé dans un autre épisode. Du coup c'était. Ah oui, c'est vrai, c'était pour faire pousser le blé la première fois où ça avait été du coup assez compliqué. Ah! Nickel.
redstone, je vais juste la faire passer comme ça. Parce qu'on s'en fiche, à la limite, le système il va être de ce côté là, donc il n'y a pas besoin non plus de dégager des masses. Comme ça, vous allez voir aussi comment faire un petit système automatisé pour le blé. Bon, c'est pas le meilleur, hein. Franchement, c'est vraiment un truc fait avec les moyens du bord et à la va-vite. Hop. Tac. Je manque de pistons. Est-ce que j'ai une torche? Ouais. Ça, c'est nickel. Les seaux, je m'en servirai après. Ah, c'est le bazar en fait. Ouais, je crois qu'en fait, je vais devoir... Je vais devoir être à l'intérieur, je pense, du bâtiment. Pas le choix. Oh non, le champignon, je l'aimais bien. Hop. Tac. Voilà, nickel. Ça, c'est fait. Est-ce que... Ah, quoique, je peux peut-être... Je sais pas ce qu'il y a ici. Que je mets le levier là, ce serait peut-être mieux, hein, tout simplement mettre le levier ici. Je crois que je vais faire ça. Du coup, faut que je fasse passer la redstone par en dessous. Alors hop, on est là. Ça doit être ici. Ouais, j'irai reboucher au pire. Ah ouais, mais ce tronc il va me gêner. Oh là, non, c'est pas ce que je voulais. Oh. Bon, on va bien voir. On va déjà essayer de finir les pistons. Je pense que j'ai largement assez. Faudrait que je me mette un établi aussi en bas, ça serait pratique. Ma maison est un peu petite aussi. Du coup, je vais faire... Je sais pas combien je vais en faire. Ouais. Bon, on s'en fout, au pire. On va bien voir. Hop. Peut-être un peu plus quand même. Ouais, 5. Ça fait peut-être un peu beaucoup là, du coup. C'est pas grave. Bon, au pire, ça me servira toujours à autre chose parce que je suis un gros fan des pistons. Depuis leur sortie en... c'était en 1.7, je crois. 1.7 ou 1.6. J'ai un trou. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça va aller niveau jus. Oh, c'est bon. Ça, ah, ça fait mal. Ça, c'est fait. Du coup, oh, on a bien avancé. Faut que je fasse passer mon petit courant électrique. Attends, je vais virer ça. Ça, ça me gêne, tant pis. Du coup, non, ça va pas. Ça va pas parce que ça, ça doit être caché. Alors, faudrait que je... Ah, c'est le bazar. Ah ouais, faut que je fasse comme ça. Ah, je peux pas monter. Ah, je sais. Tac. Oh, c'est quoi ce bruit? Ça peut être l'orage. En principe, c'est nickel. Il me faut juste un petit
Je crois pas que j'ai de levier. J'en fais un. Je vais faire un établi en bas. Bah, comme ça, hop. Ça sera fait. Je crois que... Ah si, je vais en avoir besoin de toute façon. Tac. Remarque, je vais faire un bouton. Comment on fait un bouton déjà? Ah bah c'est juste une pierre. Hein. Ah, deux pierres l'une sur l'autre, c'est pas ça? Non, le levier c'est ça. Ah voilà. Oh, j'ai du mal, hein, ça fait... Étant donné que je joue et que j'ai déjà tous mes trucs... Je joue pas souvent en créatif, mais... même quasiment jamais. Mais le truc... C'est que... pourquoi ça marche pas? Je crafte pas souvent mes items, étant donné que je les fais en assez grande quantité. Du coup, j'ai pas à les refaire. Et alors là, je comprends pas pourquoi ça passe pas. Bah c'est parce que c'est trop bas. Voilà pourquoi ça passe pas. Hop. Oh non! Ah, du coup, faut que je... Ah ouais, ça va être un chiant. En principe... voilà. Et puis, tant que j'y suis, on va cacher ça un petit peu. Qu'est-ce qui me gêne? J'ai pas des feuilles. C'est dommage. Bon, je cacherai ça avec des feuilles, tant pis. Avec du bois, ça va faire moche. Et puis, de toute façon, comme je suis en solo, je vais pas avoir de... Ah, je peux pas sauter. Ah, voilà. Voilà. Donc, notre petit système marche, donc il va falloir juste qu'on rebouche tout ça. Donc le courant d'eau va pousser le blé, mais pour le récupérer, que ça soit plus facile, en fait, on va faire un espèce de conduit qui va ramener tout le blé à un seul point. Tout simplement pour gagner du temps et que ça soit moins chiant. Hop. Je vais vous mettre ça en avance rapide. Voilà donc, alors. Alors faut imaginer le truc, là il y aura de la flotte. Déjà. Donc ça veut dire que... Il me manque deux petits blocs. J'ai pas rebouché là, mince. Oh non! Oh, je pensais pas que ça allait faire ça. Pff. Moi, je vais détruire mon champi. Mince. Oh. Je casse tout. Tac. Ah bah voilà, j'en avais d'autres. Il semblait bien que j'en avais plein. Voilà donc, alors déjà il va falloir qu'on mette de l'eau ici. Ce qui pourrait être pas mal, c'est après de mettre une des petites des demi-dalles pour quand même garder de la place. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour tout simplement éviter que je trouve pas mes mots
pour pouvoir marcher dessus et puis éviter que l'eau prenne toute la place ici, quoi, et qu'on n'ait plus qu'un tout petit chemin là, grand comme ça. Et je pense que ça peut être assez joli. Donc on va aller récupérer de l'eau juste à l'entrée. On rangera ça un petit peu plus tard. Hop. Allez vite. Voilà. Oh là, faut que je mange. J'avais pas vu. Donc, on va faire attention parce que ils sont pas très gentils. Ah, j'ai fait un trou, mince. Ah, j'ai rempli les deux, ok. Pour éviter de faire des allers-retours idiots, on va se faire une source d'eau infinie, puis on la supprimera après, hein. Voilà. Ah! Voilà. Ça, j'en ai plus besoin, on s'en fiche. Ah, je suis emmené par le courant. Voilà. Voilà. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que le blé, il va venir ici. Voilà, parfait. Parfait, parfait. L'idéal. À la limite, je mettrais des escaliers ici. Ça, je le virerais. Bon, ça, à la limite, je le ferai hors caméra. Vous savez pas. Ah oui, non, j'ai pas mis l'eau là-haut. Ça sera pas super intéressant pour vous. Donc, on finit ça. Puis après, on va aller voir le volcan. Je sais pas combien de temps il me reste de vidéo. Là, je dois être à pas loin des 20 minutes. Hop. C'est passé vite en fait. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps pour. Est-ce qu'il a fait perdre du temps aussi, c'était le craft des pistons, parce que là j'ai franchement j'ai galéré. Mais sur un truc complètement, je sais pas, c'est hyper. C'est basique quoi, faire des pistons, normalement tout le monde sait faire. Bon, sauf moi. De toute façon, à chaque fois que je montre un truc, faut toujours que ça foire. Donc c'est super. On va pas faire l'essai maintenant. Ce serait bête de gâcher du blé étant donné que j'ai pas non plus beaucoup de graines, etc. Donc on essaiera ça plus tard. Je voulais me faire un bateau pour partir à l'aventure. Je vais me faire une canne à pêche, mais la canne à pêche, tant pis, on le fera dans le prochain épisode. Je sais pas si je peux faire un bateau avec ce bois bizarre là. Ah! Comme ça, j'en aurai d'avance. Ouais, ok. Pourtant, c'est bien comme ça. C'est pas tout ça quand même, un bateau. Bon, étant donné que il me reste que du bois comme ça. Ah, faut que je plante une forêt aussi. Bon, on fera ça dans le prochain épisode. Du coup, vu l'heure, on va juste aller au volcan. Tant pis, on va y aller à pied, hein. En essayant de pas se faire bouffer. Voilà le volcan. Alors ça, c'est un autre type d'arbre. J'ai jamais essayé, je sais pas quelle couleur ça donne quand il est crafté. On va pas passer par l'eau, sinon je vais mourir dans d'atroces souffrances. Donc c'est pas la peine. On va longer tout simplement la côte. Hop. Ah, un dino. Ils sont gentils ceux-là, je sais pas si on peut les apprivoiser. J'aime bien le bois, il est sympa pour faire les intérieurs, faut que je l'essaye. Par contre les arbres. Alors, remarque, t'as une bonne quantité de bois avec ça. Donc le volcan, mais alors je crois qu'il est pété. Oh, c'est marrant ça. J'ai bien fait de faire attention, j'aurais pu tomber dedans. Le volcan, le volcan.
La libellule qui brûle. Excellent. Je sais pas si je vais pouvoir monter dedans. Alors l'eau elle change de couleur là parce qu'on arrive dans une zone marécage. Oh, en plus il va faire nuit, on va se quitter là-dessus je pense. Bonjour pour le gravir, je crois que c'est pas possible. Je vais essayer de contourner ça sans mourir. On voit la différence d'eau là, on voit la nuit qui se lève. Le volcan, ah ouais il est complètement défoncé quoi. Et je sais qu'il y a des jolis volcans qui sont parfaitement ronds. Et j'aimerais bien essayer de vous en trouver un. Parce que celui-là, il est cassé, quoi. Est-ce qu'on voit mon camp d'ici? Je sais pas, je vois pas. Bon, ça c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça rend bien en fait, faudrait que je vous montre. Je vais pas pouvoir grimper plus haut, quoi. Bon, on va se quitter sur cette nuit qui se lève et sur ce soleil qui se couche. Et puis on va se retrouver dans un prochain épisode, les petits amis, où nous allons tout simplement eh bien, explorer un petit peu plus et aller voir les différents dinosaures quand même. Et puis il faudra qu'on fasse un tour aussi au niveau des crafts qu'offre ce mode, voilà. Donc je vous dis à bientôt, salut.